Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'épisode 34 d'Attila avec les francs. Je viens juste de bouger ma chaise et je vais le rebouger, voilà. L'épisode précédent, on a perdu Aurelia à cette armée d'Albany qui est en train de perdre, prendre des pertes. Qu'est-ce que ça fout de là, les jungles? Et on va essayer de les détruire au tour prochain. On a perdu beaucoup d'argent. Je me demande pourquoi. Eh ben, je vais vous dire, parce qu'on est des gros se merde à ce jeu. Voilà. Donc ça, c'est ça. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Eux, ils vont probablement venir là. On va pouvoir quand même les détruire parce qu'ils n'ont pas grand-chose en termes d'unités restantes. Donc je suis assez... J'ai assez confiance en moi. On va pouvoir réussir ça. Je pourrais faire plus. Je dois rien faire ici. Regardez les portées de déplacement, taux de fatigue, rassemble mes infos. Juste voir si on peut rassembler les infos. Succès. Augmenter un peu de trucs. Raccord bataille. Ça c'est pas la même chose. Ah c'est en bas, voilà. Non. Mais bon, enfin, on a augmenté ça un peu. Donc, pas grand chose qu'on peut faire. On a toujours les Angs qui sont en bas. Je suis en train de faire des choses. C'est peut-être ce qu'on devrait faire, juste abandonner tous nos provinces à haut et devenir une horde. Mais ça, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais c'est possible que c'est la meilleure solution sur nos problèmes qu'on a. Qu'est-ce que je veux? Je pourrais faire une grosse armée de brigands. Juste parce que pourquoi pas. Mais je pense pas que ça serait une bonne idée. Donc on va peut-être pas faire ça. Mercenaire ébanage. Oh putain, je peux avoir ça en mercenaire. Oh. Et on va encercler ça pendant un petit moment. Voilà. On va perdre un peu d'argent, mais on s'en fout un peu. 10 tours avant de pouvoir faire l'enrôlement volontaire. Ou involontaire, apparemment. Ah non, c'est la classe militaire d'élite. Ah oui. Oui, effectivement, c'est ça qu'on veut faire. Ouais, donc il ne reste plus que 10 tours pour ça. On va terminer le tour. Le bord de la faillite, et qu'est-ce qu'on peut s'en branler? Et compétences en assigné, ça par contre, peut-être un peu moins. On va faire ça. Ça, t'as deux compétences. L'une d'entre eux, c'est ça. Gouverneur. Gouverneur. Pouf. Bon. Les Quales vont prendre Casurgis, je pense. Ou les Warners vont attaquer? Non, pas du tout. Ah, ils s'en vont. Bon. D'accord. Les Warners sont une horde. Ça fait longtemps que... J'ai pas joué à cette sauvegarde-là. Votre faction faillite, est faillite. Une grosse... Une énorme faillite, là. Plusieurs choses que vous pouvez faire pour inverser cette situation.
augmentez les impôts si possible, établissez plus de routes et d'accords commerciaux ou dissolvez des unités inactives. Bon. C'est peu qu'on peut attaquer ça. On va aller là. Et on va attaquer ça. Je pense qu'on aura la possibilité de les prendre. J'espère au moins. En termes d'unités, ils ont des meilleures unités. Mais on a la cavalerie. Mais à mon avis, ça va rien changer. Ils ont aussi plusieurs catapultes. Ah, ils ont pas de mur. Donc ça va encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer par là et on va continuer comme ça. Ils ont mis des trucs là. Oh, et puis merde. Et ils ont mis des trucs là aussi. Ok, ok, ok. Donc on va avancer par là, mais là... Ah d'accord, j'ai compris. Donc il nous faut venir par là, parce que comme ça on peut pas attaquer. Mais est-ce qu'on peut... Oui. Avancer comme ça. Ok, bah on va attaquer par là. Non merci. Bien sûr, ça s'est passé comme ça. Je vais attaquer ce qu'il y a par là. Je crois qu'on a perdu. Hein. Ah non, peut-être pas. Oh merde, j'ai pas vu les lanciers derrière. Bon, c'est un peu foutu. Dépliez-vous.
encore une autre entrevue. Oh, oh, ils s'en prennent. Les sont brisés et tentent de sauver leur peau. Pourquoi avez-vous cet effet? Et je donnais la permission. Pardon. Il y en a qui disent, pourquoi est-ce que vous avez cessé de tirer? Et je vous donne une permission? Ça, c'était le meilleur. Donc, on a perdu beaucoup d'hommes, je dois dire. Je pense que les bâtards étaient là, ils passent beaucoup trop vite. Voilà. Enfin, bon. Prêt pour de nouveaux ordres. Destination atteinte. On perd beaucoup mon âme. Donc ça c'est fait. Je me sens pas trop capable de commencer et continuer ça. Pour la tribu. Oh là là. Je crois que je vais dissoudre toutes ces armées-là. Voilà. Et toi, tu peux bouger. Mais tu peux rien faire. Donc tu vas rien faire, tu vas juste rester là. Oh! Je les ai trouvés. Tiens mes tours. La question c'est, est-ce que je ferais quelque chose de différent s'ils ont rejoué cette campagne? La réponse, oui. Je changerai beaucoup de choses. En fait, le gros problème, c'est que je n'ai pas suivi ce que a fait l'histoire. En historiquement, les Francs sont allés en France. Ils sont allés, descendus, prendre la plupart de la France. Et en fait, c'est ce que j'aurais dû faire dès le début. J'aurais pas dû me rester en Saxonie et tout ça. J'ai pensé trop comme si ce jeu était Rome 2, en fait. Que ça allait être la même chose de... de ces grands empires qui sont épanouis comme ça. En fait, non. Attila et Totawa Attila, c'est vraiment... si tu joues pas les Huns, tu dois courir. Tu dois courir dans l'autre direction. Tu dois suivre les consignes de l'histoire. Partir. Former une horde. Descendre là où historiquement on est parti. Donc... pour les Francs, c'était en France. Pour les Ostrogoths, c'était en... pardon, les Visigoths, c'était en... comment ça s'appelle? En Espagne. Les Ostrogoths, en Afrique. Les Lombards, en France. En Italie, par contre. Ils déclarent la guerre. Cette faction vous a déclaré la guerre. Grand-Bretagne, ok. Voilà, toutes les choses. Et les Saxons sont partis, bien sûr, en Grande-Bretagne. C'est les choses comme ça. Donc voilà, voilà le problème. Ah, ils sont de retour là, les gens. Voilà. Je pourrais faire une grande migration. Abandonner tout. Tout abandonner. J'ai le droit. J'ai le droit de faire ça. C'est ce que je vais faire, je pense. Donc, il faut que j'aille là.
migration en cours. Je peux pas l'assassiner celui-là, c'est si chiant. J'ai pas acheté d'argent pour rien faire en plus. Ouais, je vais commencer la grande migration des francs. Et je vais descendre ici. Je vais aller peut-être même en Espagne. Je pense que ça ce serait pas con. Juste partir. Il y a trop de problèmes par ici. Les Vandanes sont revenus. Épisode 34. Donc 35, ce sera un vendredi. Puisque 31, 32, 33, 34, 35. Ouais. Ok. Il reste un peu longtemps là-dessus. Mais il faut rien. Il ne faut rien du tout. Désertion. J'ai tout perdu. Ce sont même plus mes alliés. Les Francs sont maintenant une horde. Comme on est une horde. On y va, les gars. Prêt pour de nouveaux ordres. On va avancer. On se bouge vers l'île. C'est tout ? Attendez-vous de moi. J'ai essayé d'assassiner celui-là, juste parce que ce serait marrant. C'est fait. Succès. Ah, ah, t'es mort. Comment puis-je vous assister? En chemin. Votre prochain ordre. Faut la chèvre, faut le mouton. Ah oui. Il faut que je augmente. Oh, intégrité, ça c'est pas mal. Faut que j'augmente tout ce que je peux. En termes d'intégrité, c'est ce qui est le plus important. Je vais descendre vers l'Espagne. Donc, merci de regarder cet épisode et bienvenue à la grande migration des Francs. Parce qu'on s'en va. On en a assez de nos anciennes terres. On a tout brûlé. Et on part loin. Vers l'Espagne. À la prochaine!